m'envoyer ça au laboratoire, voir si c'est pas des photos truquées. Vous vouliez me voir? Guy Boisvert, un pédophile. Moi, quand je suis parti hier soir, mon bureau était barré. Ouais. Ça, ça sent le chantage à plein nez. Ben, ça prouve pas que Boisvert faisait couler de l'information, hein. Hey, Gauthier. Non, non, je veux dire, c'est pas avec ces photos-là qu'on va prouver qu'il vendait de l'information. T'as-tu remarqué quelque chose d'anormal à propos de Boisvert ces derniers temps, je sais pas, moi? Tu sais, Guy, était-tu normal, était-tu anormal, là, tu sais? Ça, on devrait donner ça aux affaires internes. Tu touches plus à ça, Tanguy. On s'en occupe. Puis Bogliosi, là, lui? Ben, de la façon qu'il s'est fait tirer dans la bouche, c'est signe qu'il parlait trop. Ah, c'est de valeur, hein? Parce qu'il nous parlait pas à nous autres. Qu'il y a une fille, ça me dérange pas du tout. Qu'il m'en ait pas parlé, c'est son choix. Même si je comprends pas très bien, d'ailleurs, pourquoi il cherche à le cacher. Mmh. Il a peut-être pas trouvé l'occasion pour t'en parler. T'aurais dû me voir. J'étais plus capable de parler. Ton père, lui, disait quoi? Oh, rien. Qu'il n'y avait pas grand-chose à voir là-dedans. Évidemment. Te souviens-tu d'Angelo Bogliosi? Vaguement, oui. La Sûreté a fabriqué de faux rapports à son sujet, comme quoi il coopérait avec la police. Ils ont remis ça à papa. Il était tellement furieux qu'il a fait assassiner Bogliosi, selon Pierre, là, évidemment. Et selon toi? J'en reviens pas. Les photos, les menaces. Enlever une petite fille de 17 ans, ça se peut pas. J'aurais dû voir Pierre, je l'avais jamais vu comme ça. Ouvre tes yeux, Gabriel. Ton père, c'est un bandit. Avec une chemise et une cravate, mais ça reste un bandit. Je sais de quoi je parle, crois-moi. On le sait bien, toi, papa. Justement, ton père, s'il y a quelqu'un qui le connaissait bien, moi. Tu savais tout ce qu'il a fait dans le passé, tu aurais certainement une autre opinion de celle que tu as présentement. Ça reste quand même mon père. T'es sûr? Aime-le pour ce qu'il est. Mais pour l'amour du ciel, Gabriel, mets-toi pas la tête dans le sable. Allô? Peut se voir ce soir. Oh. Ni chez vous, ni chez nous, en tout cas. Gauthier. Je veux plus me cacher. On ira prendre une petite marche de santé. C'est beau. Georges. Photo de Boisvert avec des enfants. Je suis au courant. Comment ça? Fournel, là, on a reçu une copie au journal. Là. Il vient de m'appeler. Shit! Et toi pis moi, on sait rien. C'est rien. Boisvert. Oh, je connais pas. Salut, Tom. Salut. Bonjour. Ça fait dur ici un matin. Pierre, la carte pour toi. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à faire une chose comme cela. Il va avoir des raisons qu'on connaît pas. Il s'est pas pendu dans sa maison. Il se tire une balle dans la salle de toilette. Je suis certain que ça a rapport avec ce job. Peut-être. Difficile à dire. J'avais besoin d'un break, Terry. Tiens, un beau 800$. Merci. Mais il en manque 3 700. Mais c'est déjà un début, non? J'ai rencontré ton chum hier soir.
Gagnon? Il a dit qu'il allait rembourser tes dettes. C'est qui, ce gars-là? Oh, c'est une vieille connaissance. T'es pas allé chez lui, par hasard? Mais non, je te le dis, j'avais besoin d'un break. Denise, t'as besoin d'un break? Tu me l'as dit, hein? T'es pas obligé de pousser comme ça. C'est-tu Gagnon qui t'a forcé à partir? Ah non, pas vraiment, non. Non, ça marche pas, cette affaire-là. Tu dois de l'argent, mais viens te chercher quand même. C'est une longue histoire, vois-tu? Je pense que ça me tente pas de la raconter, là. Moi, j'aimerais ça que tu m'en parles, hein? Pour m'aider à comprendre. Terry, Terry, je t'en manque, j'ai besoin de poudre. Viens, on va aller en haut. J'avais peur de ne plus avoir de tes nouvelles. Quoi? Je sais pas. L'affaire de ta fille, peut-être. Hein? T'as rien à voir là-dedans? Ben. Ton père non plus, d'ailleurs. T'avais l'air de penser le contraire. Je sais qu'il n'aurait jamais accepté d'embarquer dans une affaire de même. Je comprends pas. Tu dis que c'est lui, puis après, tu changes d'idée. Ouais. Ben, ton père, il a perdu le contrôle de ses hommes. Puis quand j'ai remis les faux rapports sur Boliodi, je savais qu'il allait s'en débarrasser. D'après ce que je vois, t'es pas vraiment différent de lui, hein? C'est pas toi qui tire, mais c'est quand même toi qui mets la balle dans le revolver. Légitime défense. Faut penser comme il pense. J'ai tellement envie de toi. Je te ferai l'amour. Ici, tout de suite. Gautier. Oui. Oui. Où? Où ça? Lombardo vient d'arriver en ville. Scarfo est allé chercher à l'aéroport. Ils sont au château Mirabel. Veux-tu que j'envoie une équipe de filatures supplémentaires? Bonne idée. On devrait aller faire un tour à l'hôtel. C'est ça. Essaye de savoir dans quelle chambre ils sont. Et après, appelle Benoît Landry à ce numéro-là. Demande-lui s'il peut mettre la chambre sous écoute électronique puis nous relayer ça ici. C'est off, mais ça peut se faire. Landry, tout se fait. Michel, tu viens avec moi. Hey, on n'a pas de mandat. Plus de mandat, on n'a pas le temps. Suicide de bois vert, Franck. Vous avez rien à voir là-dedans? Voyons, Bertrand. C'est un suicide. Un suicide, c'est un gars qui se tue lui-même. Hein? Tu vas pas nous accuser d'avoir suicidé un gars. Juste ça, c'est assez pour se suicider. Franck, fais pas l'innocent.
Sûrement bien pas lui qui a pris cette photo-là. Ben, c'est pas moi non plus. C'est pas un gars de votre gang non plus. Et quel gang? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bogliazzi? Je sais pas, mais ils l'ont pas manqué. La manière qu'il s'est fait tirer, c'est un signe qui parlait trop. Ben, c'est ça. Je viens d'aller faire mon dentier. J'ai pas envie de manger une balle entre les dents. Ça fait qu'on va changer de sujet, hein? Prends l'exemple de Pierre Gauthier, le gars de la Sûreté nationale. Ben, il sort avec Gabrielle Provo, la fille de Scarfo. Tu vas me dire que la police laisserait un gars du crime organisé sortir avec la fille du présumé chef de la mafia à Montréal? Ça se tient pas de bout. Qu'est-ce que tu dis, là? Gauthier sort avec la fille de Scarfo? Ben, disons qu'ils se fréquentent. Ah oui? Le petit maudit. Il m'a pas dit ça. Sicilians will bring it to New York. We don't want to touch it. So, if we want to buy, what's in it for us? I take 20 off the top, and you do what you want to do. Okay. Mandami questo, mi prezzo. 50,000. Me lo vuoi dare 40? Sì. Arrivo al porto di New York, Francesco. Une livraison. Dans une semaine au port de New York. Scafo va s'en occuper. Un peu. Il demande 2 millions. C'est pas évident. Green. Cash up front. If you guys screws up and the shit falls on your head, we ain't got nothing to do. Don't worry. It won't happen. Ben. Let's go for a walk. Là, s'il se passe quelque chose, tu m'appelles, OK? So, what is this thing between your daughter and this guy with the RCMP? Not the RCMP, it's la Sûreté Nationale. Comunque? Not much to say about it. Gabriella was going out with this guy, but it's all over now. Is it true that this guy was after you? The entire police force is after me in the city, Carlo. But don't worry, I handle it. I'm not trying to tell you how to run your family, but you should be careful. With all due respect, once again, Carlo, I'll take care of it. Well, Joe, if you need any help to get rid of this Gauthier, we can help you, you know. How do you know his name is Gauthier? Like I told you, if you need any help, we can make him disappear without a trace. The last thing I want to do right now is to put pressure on the guy. Believe me, Carlo, it's not the moment. Mon papier va passer demain matin, mais je voulais te donner la chance de t'expliquer avant. T'as parlé de quoi? D'un paquet de choses. Du suicide de Boisvert. Je parle de son côté plus noir. Son petit côté pédophile. J'ai reçu des photos au journal. Moi, je trouve que tu vas pas mal vite, hein? Moi aussi, je les ai reçus, ces photos-là. Ils sont au laboratoire. Mais t'oublies qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans cette histoire-là. Justement, Boisvert, il était enquêteur au crime organisé. Si c'est vrai, il était ouvert au chantage. Si c'est vrai. Pas à moi que tu fais mal. C'est pas à Boisvert non plus, c'est à ses enfants. Parle-moi donc de la relation entre Pierre Gauthier et Gabrielle Provo. C'est pas normal, ça, qu'un gars de la Sûreté qui est chargé d'enquêter sur Scarfo sorte en même temps avec sa fille. En tout cas, si tu publies ça de même, tu vas avoir l'air fou. Gauthier s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui tentait de le manipuler. Son affaire avec Gabrielle, ça cachait autre chose. Que tu sais pas. Puis tu sauras pas non plus si tu fais pas attention à ce que t'écris dans ton journal. Parfait. On va écrire que ça cachait autre chose. J'espère que tu doutes pas de la capacité de Gauthier de faire la différence entre sa vie sentimentale puis sa vie professionnelle, non? Gilbert! Va raconter ça à la plèbe, voir ce qu'ils vont te dire. Non, non, non. C'est pas la plèbe qui écrit dans ton journal, c'est toi.
J'essaye pas de jouer au pur. Non, mais tu voudrais qu'on le soit, par exemple, hein? Toi, c'est le contribuable qui te paye, pas moins. Mais attends, attends, c'est pas tout. La meilleure s'en vient. Je parle aussi dans mon article de l'attentat que vous avez commis chez Roger Perrault. Mais là, Gilbert, faut dire que vous faites deux de pique, puis pas à peu près. Je sais pas pantoute de quoi tu parles. J'ai une copie de ton rapport entre les mains, ris pas de moi en plus. Parce que ça, c'est une autre affaire. Les rapports sortent de vos bureaux. Moi, je m'inquiéterais si j'étais informateur pour la sûreté. Où est-ce que tu vas en venir avec ça, toi? Rien. Je veux que tu me commentes ça. T'en auras pas de commentaires, Fournel. Écris donc ce que tu veux. Mais laisse-moi te donner un conseil, toi. Avise-toi jamais d'avoir besoin de mes services parce que tu vas trouver le temps long en sacrament. Que j'ai avec la sûreté. J'ai jamais rien eu d'aussi injurieux de toute ma vie. Laurent, ça sert à rien de t'énerver. Je vous ai laissé faire, je vous ai donné toute la latitude possible. Puis regardez où ça nous mène. Mais voulez-vous bien me dire à quoi vous avez pensé? Allez démolir une vitrine de restaurant. On a l'air de la GRC des années 70 quand ils faisaient brûler des granges. Je peux pas croire que t'as laissé passer ça. Alors Pierre, je sais ce que tu vas dire, t'es bien gentil, là, mais c'est moi qui ai eu l'idée, puis tu le savais. Et je maintiens encore qu'elle était bonne. On voulait provoquer quelque chose, obliger Perrault à se compromettre. Hey, trois paragraphes sur Gabriel Provost puis Pierre Gaultier. Un peu plus écrivait que t'étais sur le payroll de Scarfo. Faites-moi pas chier avec ça, OK? C'est du journalisme de petit cul, ça. Puis où il a déniché ça, l'affaire de Boisvert? Alors, je charrie pas, là, OK, Laurent? On va pas me mettre à faire des enquêtes pour savoir où est-ce que les journalistes prennent leurs informations, moi. Non. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'il faut tout arrêter. Puis essayer de faire un marché avec Perrault. Non, non, marchander avec quoi? On n'a rien contre lui. Ah, Pierre a raison, il faut être plus patient que ça. Moi, j'en ai de la patience. Mais le ministre, lui, il la trouve pas drôle le matin. Essayez quelque chose, on s'est trompé, c'est pas la fin du monde, là. L'attaché politique du ministre vient me voir après-midi. Tu viendras y expliquer ça, que c'est pas la fin du monde. OK. Parlons-en de ton ministre puis de son attaché politique. Ton ministre, cette année, il a reçu un don de 340 000 piastres de M. Scarfo. 1 million depuis 4 ans. Pierre a fait de la liste. Et l'attaché politique qui va venir te voir après-midi, c'est Corbeil, ça? François Corbeil, oui. Pour ton information, Scarfo a rencontré Corbeil personnellement. T'en veux-tu une meilleure que ça? Le procureur va probablement être obligé de déménager ses bureaux dans des locaux qui appartiennent à M. Scarfo, parce que M. Scarfo, il veut se brancher directement sur le système informatique. Fait que ton petit pégreux de ministre, tu y diras qu'il marche les fesses serrées. On a ça sur Ruban. Mais qu'est-ce qu'on a sur Ruban? Tout. Les contributions, la visite de Corbeil, la bâtisse de Scarfo. Puis tu m'as jamais dit ça. Non. Parce que quand je te vois, tu penses rien qu'à tes affaires à toi. Ce qu'on fait, ça te préoccupe pas pantoute. Si tu sais quoi ton problème, Laurent? Tu penses comme un gestionnaire, tu penses pas comme un policier. Tes hommes, t'es comprends pas. Des gars comme Pelletier, des gars comme Gaultier, ça court pas les rues. Faudrait peut-être qu'on arrête de les faire chier, puis de les écœurer, puis qu'on commence à les appuyer. Trouve pas? Ah ben, le vieux Chris.
Écoutez-moi bien, là. Je vais y aller au front pour vous défendre. Mais organisez-vous pour me donner des résultats, puis vite. Puis toi, Gilbert, je veux deux rapports sur mon bureau cet après-midi. Deux? Pourquoi deux rapports? Un pour répondre à l'article de Fournel, puis un autre sur les relations entre Scarfo puis le ministre. Hé, hey, entendons-nous bien, là. J'ai pas dit qu'il entretenait des relations, moi. J'ai parlé de contributions politiques, là. C'est pas grave, ça. Le monde ne fera pas la différence. Hein? Gauthier s'est joué ses cartes. On s'est fait avoir, Marco. On s'est fait avoir comme des enfants. D'accord. Mais Carlo, il avait raison. Il faut s'arranger qu'il disparaisse. Un accident d'auto, quelque chose. Je sais pas, Marco. Le temps change, Marco. Ça commence même à parler dans mon dos. Même ma fille n'ose plus m'approcher. Oh, t'es un peu sévère. Tu passes tes grandes journées à régler les problèmes d'un puis de l'autre. Et t'as même pas le temps de régler les tiens. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je ne sais pas. Mais Gabrielle, c'est pas juste ma filleule. Je la considère comme ma fille. Hé. Je suis fatigué, Marco. Et puis quand je regarde Gabrielle, je me vois. Et ça me brise le cœur de la voir souffrir quand elle devrait être heureuse. Ça me brise le cœur, Marco. Ça va pas vraiment qu'il appelait. Demain, faites les chums, c'est fait pour ça. Et celles qui me restent sont dans la rue. Pas sûr de ça, moi. Tu dis ça parce que t'es rendu au fond du baril. Je ne sais plus où est-ce que je suis rendu. J'ai besoin d'aide. Tu veuilles t'en sortir. Si t'es pas prête, tu vas juste venir perdre ton temps ici. Je sais. Tu sais. Hein? Je suis après mourir à petit feu. Puis je veux pas mourir. Je suis allée chez François l'autre jour. Le seul gars que j'ai aimé dans toute ma vie. Il voulait m'aider. Mais j'ai trouvé le moyen de fouiller puis d'y voler 800 piastres. Moi, j'ai fait ça à François. Le seul gars qui me respecte encore assez pour vouloir m'aider. Pense bien à ça, là. Plus jamais que je remette les pieds dans la rue, Terry va me tuer. Laisse faire, Terry. J'ai pas eu le temps de parler à Diane avant de partir. Oublie ça, Diane, Terry, le reste, ne s'en a rien. Hein? Regarde en avant.
coudonc, êtes-vous en surveillance sur Scarfo ou sur sa fille? Scarfo, sa fille, toute la gang. C'est dur à suivre. Puis je dois t'avouer que ton Gautier, il commence à nous inquiéter. Ah ouais? Ben moi, plus ça va, plus il m'impressionne. Vous êtes en merde jusqu'au cou. L'attentat contre Perrault, c'est pas bien intelligent. Ton enquêteur a fait couler des faux rapports sur Bugliotti. Hey, écoute, je suis d'accord pour qu'on cède. Mais ce qui se passe ici dedans, ça vous regarde pas, OK? L'affaire de Gautier puis de Gabriel Provost, c'est rien pour rassurer l'opinion publique. C'est parce que tu te bases sur l'article de Fournel que t'affirmes ce que tu dis. Puis comme Fournel, tu parles à travers ton chapeau. De toute façon, Gautier puis Provost, ils se voient plus. Je pense qu'il t'en manque des bouts. On veut juste s'assurer que ton gars vend pas des informations à Scarfo. C'est tout. Gautier? C'est pas ce genre de gars-là, pantoute. Boisvert non plus. C'était pas ce genre de gars-là. On a quelque chose pour toi. 40 kilos de héroïne pure. Ah oui? On récupère la marchandise à New York et on amène à Montréal. Et le problème, c'est que j'ai la sûreté qui me surveille cet incident. Mais contre la police, comment ça fait qu'il y ait des attentats? C'est que vraiment, ils ont rien dans les mains. Même place que d'habitude? Oui. Je t'amène le flic? Tu payes quand tu as la possession de la marchandise. 2 millions US, on va t'envoyer quelqu'un pour te porter de l'argent. Tu as 24 heures pour faire le job. Pourquoi 24 heures? Parce que de voir 2 millions promener dans la nature, ça me donne des brûlements à l'estomac. C'est quoi ma cote? 10 % de 200 000 heures. Je peux-tu prendre ma cote sur l'héroïne? 4 kilos. OK. Qui va distribuer le reste? Regardez ma gang. Les motards n'aimeront pas bien ça. Ça me dérange pas. Qui c'est qui a pris ces photos-là? La GRC. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense? Il te voit en train d'échanger une enveloppe avec Scarfo. La GRC me colle au cul, puis tu laisses passer ça, toi. Ah non! Ils sont pas après toi, ils sont après lui. Alors ça, c'est quoi l'affaire des faux rapports sur Bugliosi, là? Hein? J'ai fabriqué des rapports qui laissaient croire que Bugliosi coopérait avec la Sûreté. J'ai remis ça à Scarfo. Il est tombé dans le piège, puis s'en est débarrassé. T'as fabriqué des faux rapports? C'est ça. Puis tu t'es arrangé pour que Scarfo mette la main dessus? C'est ça. Ou je le tirais moi-même, ou je m'arrangeais pour que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. L'enveloppe que j'ai remis à Scarfo, c'est des photos de ma fille. Pierre Gautier, ce que t'as fait là, c'est très grave. Je suis ton supérieur immédiat, c'est mon devoir de te dire que le geste que t'as posé là, il va à l'encontre du code de déontologie policière. Je devrais t'écrire un rapport de réprimande puis le mettre dans ton dossier. Mais je le ferai pas, puis je vais te dire pourquoi. Parce que t'as bien fait. Alors, mais ça, il pensait le premier, t'as mauditement bien fait. Hein? C'était une maudite bonne idée. On devrait tout le temps marcher de même, ça coûterait moins cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, même Pierre trouve ça difficile. Ton père, lui, il t'en parle plus? Mon père, il m'évite de ce temps-là. Pas sûr qu'il soit bien fier de ce qui s'est passé. Hein? Ça va pas, non? Attends-moi une minute, OK? Ah, t'es déjà là? Je t'attendais pas tout de suite. Pierre, je parle avec Isabelle. Micro. C'est pas vous autres, j'espère?
GRC. Tellement moderne, ces affaires-là. Tiens. C'est quoi ça? Ton 50 000. Ah, ouais? Puis si tu me le redonnes la semaine prochaine, je t'en mets 100 000. Tu vas faire quoi? Des photocopies couleurs? Si on veut, oui. J'ai une grosse affaire pour toi. Un transport. Transport de quoi? De coke, j'imagine? De l'héroïne. 40 kilos d'héroïne. Je vais chercher ça à New York, puis je ramène ça ici. Puis les douanes? Le douanier est sur le payroll de Scarfo. Posé disait que je ramène des chandelles puis il me laisse passer. Une espèce de mot de passe. Ils t'ont offert combien? Il faut que je donne les 50 000 piastres de la vente d'héroïne, puis ils m'en remettent 100 000 la semaine d'après. C'est clair que c'est relié à ce qu'il faut. Ouais, puis regarde ça. Je sais même que les images prouvent rien, là. C'est quand même une drôle de coïncidence que Perrault rencontre Daskola en même temps qu'il me propose de passer de la taupe à la douane. Ah oui, mais d'après toi, là, est-ce que Perrault a les reins assez solides pour financer ça, tout ça? Non. On le sait qu'il y a un deal entre Lombardo puis Scarfo, puis que c'est un deal d'héroïne. Pis c'est clair que c'est Scarfo qui va prendre en charge la livraison de la dope. Donc, c'est ça la patente. Scarfo achète de la drogue, il dit à Perrault, tu vas aller la chercher. Perrault me remet ça entre les mains, puis en principe, je me fais arrêter. Le seul que je peux vendre, c'est Perrault. C'est ça. Puis au pire aller, Perrault, lui, peut vendre de ce cas-là. Au moins, on a de ce cas-là, tu sais. Ouais, mais il fera jamais. Ah non, ça, c'est pas sûr, ça. Jamais, t'exagères, toi, là. Bon, en tout cas, on va parler de ce qu'on a, là. Scarfo puis Lombardo complotent pour importation d'héroïne. Si toi, t'acceptes le deal, tu vas chercher l'héroïne, t'en ramènes, nous autres, on la confisque, puis là, on porte des accusations, c'est ça? Mm. Avec quoi on pourrait faire plier Perrault? Shylock King, importation dans le but de faire du trafic. Et peux-tu nous aider à coincer Scarfo? Ouais, c'est en menaçant d'extradition, peut-être. Aux États-Unis, c'est 25 ans minimum pour l'importation. Ils vont courir après. Je suis sûr qu'il va craquer, moi. Déjà condamné pour trafic, deuxième offense, plus Shylock King. Plus François, il va parler. François? Ça se peut. OK. On a quoi sur Scarfo? Complot pour importation. Et maudit, je te dis qu'on n'a pas grand-chose. Ça va nous prendre un jury qui a de l'imagination. Ouais. Si on veut pas manquer notre coup, là, il faut mettre la filature sur Daskola, Scarfo, Perrault, puis ça gagne. D'ici à ce que François parte, c'est ça qu'il faut faire. OK, te laisse sentiment. Je m'occupe de la paperasse. Je vais aller voir le substitut du procureur. Les gars, on fonce. Puis, Denise? Ah, inquiète-toi pas, je l'ai placé en désintox. Je m'en occupe, mais c'est de toi qui vas avoir besoin, hein? Ah, je sais bien, mais si tu veux, moi, je fais ce que je peux. Moi, c'est pas de mes affaires, là, mais tu vas être obligé de changer d'attitude. Arrêtez de jouer au père. Ça veut dire? Comment ça, jouer au père? T'es obligé de te remettre en question, toi aussi. Vincenzo va être ici dans un couple de minutes. Et moi, je m'en retourne.
Quand est-ce qu'il arrive, ton Gino? J'espère que tu vas te forcer pour lui faire la conversation. C'est long, New York, aller-retour, avec un gars qui a l'air bête. J'ai pas l'air bête. J'haïs ça, les chaperons. Salut, Vance. Tu connais François? Ouais, ça va être gay comme voyage. À quelle heure tes gars vont se pointer là demain matin? Aussitôt que t'arrives, on va aller te rejoindre. Fais-moi pas attendre 2 heures avec ça dans la van. Il chaude tout le temps comme ça, lui. Non, non. Juste quand je pars en voyage avec du monde que je connais pas. Lève donc tes bras dans les airs. Pardon? J'ai dit, lève tes bras dans les airs. OK, tu te prends. OK, je pars pas. François! Ton Gino veut faire à sa tête qu'il a juste à partir tout seul. C'est quoi ton problème? C'est toi mon problème. Je traversais pas les douanes avec quelqu'un qui se promène avec un gun sur lui. Juste la manière que tu tiens, c'est que t'en as un. C'est pas si terrible que ça. Ça au jour le jour, t'sais. Pas chercher à voir plus loin. C'est ça qui a été notre erreur, je pense. Oh, t'es dur, Pierre. On laisse tout tomber, puis on part. Les gars de la construction, c'est nos hommes. Mmh. Oh, t'as vu la camionnette blanche de plomberie dehors? Gauthier et ses gars sont dedans. Le groupe d'intervention est en place. Il manque juste la camionnette. Tout le monde est prêt. Good. Ah, oh, puis, je leur ai donné une photo de Pelletier en leur disant que c'est un gars de la boîte. OK. As-tu d'autres cafés? Ouais, t'es chanceux, il en reste juste un.
Pas sûr qu'il est chaud, par exemple? François Gagnon, c'était un gars de la sûreté. Ah oui? Mais voyons donc. Je te le dis. On a la rose, je vais te le dire. Je t'avais porté de l'argent chez Perron, une fois. Mettons que ça brassait un petit peu. François, il est pas gros, mais il est raide. Mais mon maudit voyage. T'as dû la trouver drôle l'autre jour quand je l'ai questionné à sûreté. Je comprends. Surtout que toi puis lui, vous avez tous les deux une tête de cochon, tu sais. Oh. Une chance que tu me l'as dit. Hein? C'est lui que je tirerai le premier ici ce matin. Le doigt est dopé. Attention, ça va être à vous autres. Véhicule 1 en vue. Attention, tout le monde, stand by. La camionnette vient d'arriver. OK, reçu. OK, les boys, attachez vos platins serrés. La pas cool pour nous autres. S'il y a un problème, François va allumer ses phares. OK. Le deuxième véhicule arrive. Stand by. Le contact va s'établir. Stand by. We'll be right back.